Bonjour et bonsoir à toutes, bonsoir à tout le monde. D'abord, je vais d'abord commencer par couper les notifications. Voilà. Donc, encore merci de bien vouloir commencer par partager le live, d'accord? Partager le live, vous connaissez la chanson, partager le live, mais surtout de me dire si le son est bon. Donc, dites-moi si le son est bon. Merci de bien me prévenir si le son est bon. Voilà. Alors, hier, on avait prévu faire un live. Malheureusement, je suis rentré très tard, ce qui fait que je n'ai pas pu faire le live hier. Alors, j'ai prévu le faire aujourd'hui. Évidemment que le live d'hier ne sera pas celui d'aujourd'hui. Ce n'est pas le même titre. Je vais revenir sur d'autres fondamentaux. Alors, on va parler de Marie-Madeleine Bourantzou. On va revenir sur Frédéric Bongo. On va revenir sur Poulain. Vous savez, depuis ce matin, j'ai lu un peu par-ci et par-là des discours, des messages dans certaines pages, sur certaines pages. Des gens qui parlent de réconciliation. Réconciliation. Vous savez, pour moi, le mot réconciliation a un sens différent. Réconciliation, pour moi, a un sens différent. Donc, je ne suis pas pour la réconciliation. Et ça, je veux le dire et je vais être très clair avec ça. Je ne suis, alors là, pas pour la réconciliation. Et quand je le dis, je vais m'appuyer, je vais m'expliquer pourquoi. Vous savez, je ne suis vraiment pas pour la réconciliation. Parce que pour qu'il y ait réconciliation, il faudrait déjà aller du principe qu'il y a eu une raison pour ne pas être ensemble. Il faudrait partir du principe qu'il y ait eu division. Pour moi, il n'y a pas de division. Les Gabonais ne sont pas divisés. Je commence à entendre passer, oh la réconciliation, Quelle réconciliation? Vous parlez de quelle réconciliation? Est-ce que les Gabonais sont divisés? Les Gabonais ne sont pas divisés. Moi, je ne suis pas pour la réconciliation. Moi, il n'y a aucune réconciliation possible avec moi. Marie-Madeleine Bourantzou sera mise au bûcher. Et ça, pour ça, je vais vous dire une chose. Hein. Oui, les choses vont changer dans bientôt. Ça, c'est clair. Pour ça, j'en ai encore eu la confirmation aujourd'hui. Mais moi, je le dis très clairement. Il n'y a pas de réconciliation possible. Je dis bien, il n'y a aucune réconciliation possible. Avec les Bongo, il n'y a aucune réconciliation possible. Ça, c'est très clair. Écoutez, nous partons sur des bases très claires. Il n'y a pas de réconciliation. Aucune réconciliation. Marie-Madeleine Bourantzou sera exécutée et c'est clair, elle sera exécutée. Moi, je ne suis pas dans des histoires de oui, ceci, on va aller à la maison, ils seront en prison, ils seront jugés pour leur crime. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Vos histoires de on va les juger pour leur crime, je ne suis pas là-dedans. Ça, il faut que vous compreniez déjà ça dans vos têtes. Je ne suis pas dans vos histoires de on va essayer d'arranger, il faut qu'on soule le pays ensemble, le Rwanda est passé par là, l'Afrique du Sud. Je ne suis pas dans vos histoires là. Je ne suis pas là-dedans. Frédéric Bongo n'a pas arrêté de tuer les Gabonais et vous ne parlez pas de quelle réconciliation. Avec qui vous voulez que je me réconcilie? Je me réconcilie avec qui? Avec Frédéric Bongo? Avec Marie-Madeleine Bourantzou? Vous voulez que je me réconcilie avec qui? Avec Kouna? Si avec ces gens-là, vous voulez que je me réconcilie, vous me parlez de quelle réconciliation, en fait? Avec Paco Mobele? Je vais me réconcilier avec Paco Mobele? Attends, vous êtes sérieux que moi, je vais me réconcilier avec Paco Mobele? Paco Mobele qui fait un discours avec un PA posé sur sa table, la table de son bureau, pour dissuader, pour intimider les Gabonais? Paco Mobele qui a renié que les Gabonais n'ont pas été tués au QG de Jean-Ping. Vous me demandez à moi de faire réconciliation avec ces gens-là. Je vais vous dire une chose.
Ping. C'est toi à l'entrée de jeu là. Tu nous viens avec le discours de « on va faire une réconciliation ». Il faut que tu nous dises avec qui on doit se réconcilier. Avec qui? Je me réconcilie avec qui? Vous me parlez de réconciliation, vous, je me réconcilie avec qui? Paco Mubela a dit que aucun Gabonais n'a été tué au QG de Ping. Paco Mubela l'a dit. Ali Bongo a dit qu'il y a eu, on a eu à tuer que 3 à 4 vandales. Des vandales. Et vous me demandez de me réconcilier avec qui? Marie-Madeleine Bourantso a dit que les procès verbaux que vous leur avez apportés étaient des faux documents. Des faux documents. Marie-Madeleine Bourantso a dit que la réclamation faite par Lu Bungomsi était irrecevable en 2009. Cela a valu le massacre des Gabonais en 2009. Cela a valu le massacre des Gabonais en 2016. Et vous me parlez de réconciliation. De quelle réconciliation vous me parlez? De quelle réconciliation? Moi, j'aimerais comprendre. Parce que c'est comme ça que vous commencez votre sorcellerie, là. C'est comme ça que vous commencez votre sorcellerie, là. De quelle réconciliation vous me parlez? Mais est-ce que les Gabonais sont divisés? En fait, s'il y a un Gabonais divisé, dites-moi que les Gabonais sont divisés. Présentez-moi les Gabonais qui sont divisés. Dites-moi, lesquels Gabonais sont divisés? Les Alto-Gouveyens aujourd'hui revendiquent les mêmes principes, les mêmes problèmes que les Gabonais du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest revendiquent. Est-ce que les Gabonais du Haut-Ogooué sont différents ou subissent des faits qui sont différents de ceux du Nord ou du Sud ou de l'Est hier ou j'en passe? Tous les Gabonais vivent les mêmes problèmes. On est divisé à quel niveau? Dites-moi. Il n'y a aucune réconciliation possible avec les Bongo. Que vous le compreniez déjà, mettez-le dans vos têtes. Ça, c'est de un. De deux, je vais ouvrir une petite parenthèse. La communauté pygmée, aujourd'hui, subit des rafles de crimes rituels. Au moment où nous vous parlons, la communauté pygmée du Gabon subit des rafles de crimes rituels. Ils sont enlevés. Certaines personnes sont retrouvées. On retrouve des corps, des restes de cadavres. D'autres sont portés disparus. Pour les crimes rituels qui se sont engagés actuellement dans la communauté, au sein de la communauté pygmée, j'aimerais dire une chose. Et ça, ça a été très clair. Je n'accuse encore personne. Mais je n'écarte personne. Premièrement, si vous le faites pour maintenir encore la chose au pouvoir, c'est peine perdue. C'est fini. C'est fini avec lui. Si vous le faites pour rester au gouvernement du remaniement du gouvernement de septembre, là, c'est peine perdue. Parce que c'est fini. Le régime Amana. Entre-temps, s'il y a des gens qui le font, parce que j'ai dit bien, je n'écarte personne. S'il y a des gens qui le font parce qu'ils espèrent figurer dans le gouvernement de Jean Ping, moi je vais dire une chose, et là ça va être très clair. Sachez une chose, sachez-le déjà, mettez-vous dans vos têtes. Ce qu'on a fait avec Ali Bongo sera multiplié par 100 000 à ce qu'on fera si jamais le régime qui va s'installer revenir avec les mêmes pratiques. Même si nous allons rentrer dans notre pays pour 2 jours de paix, je vous assure qu'à l'instant où les enfants vont disparaître, le premier enfant qu'on va retrouver découpé, on espère que dans les 2 jours qui suivront, on trouvera les responsables. Parce que le cas contraire,
ce qu'Ali Bongo a subi, ce ne sera pas la même chose de ce que vous allez subir. Et ça, je vous le dis, je dis bien, je n'écarte personne. Ce que nous avons fait à Ali Bongo, là, ça, je m'adresse bien à toi, Ping, je m'adresse à toi. Toi et moi, on n'a aucun problème, et je te le dis déjà. Si tu prends le pouvoir, qu'un enfant disparaît, parce qu'il y a des gens qui vont aller sacrifier parce qu'ils veulent entrer dans ton gouvernement, et qu'il n'y a pas de responsable, je te le dis déjà, sache-le déjà, je te le dis. On n'ira pas cette fois-ci, nous n'irons pas en exil. On va faire ça de là à là au niveau du charbonnage. Ce sera de là à là. Parce que je n'écarte personne. Je connais votre pratique, je connais votre manière de fonctionner. Je dis bien, si c'est le régime qui le fait, qui s'est remis à relancer la vague de crimes rituels, que les pygmées, mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait ces gens-là? Qu'est-ce que les pygmées du Gabon vous ont fait? Quand vous mangez votre argent du pétrole, vous leur donnez. Vous empiétez sur leur terre sans demander leur avis. Vous coupez leur forêt sans demander leur avis. Ils vous ont fait quoi? Si c'est parce qu'on veut maintenir la chose au pouvoir, je vous rappelle que ça ne sert à rien. C'est fini, Amana. C'est fini. Si c'est parce que vous voulez vous maintenir au remaniement ministériel qui aura lieu en septembre, là, c'est fini aussi. Oh. Ça ne sert à rien. Et au passage, le Bantou est partant. Le Bantou ne sera plus dans le gouvernement qui arrive, là. Avec son acolyte. Ils seront virés. Mais je vous dis déjà ça. Maintenant, s'il y a des gens au sein de la coalition qui pensent que le moment est venu de mettre le maximum de chances de notre côté, de leur côté, en faisant, en perpétuant des crimes rituels. Je vais te dire, je te répète encore, moi je ne vais pas aller chercher, dire que non, ce sont tes collaborateurs. Non, 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 je m'adresse à toi, Ping. Je m'adresse à toi. Ça, je vais te le dire. Tu es président, si on dit tu seras président du Gabon, tu n'es pas président pour me commander. Tu es président pour faire ce que je veux. Parce que c'est moi qui t'emploie. C'est moi qui t'emploie. Il faut déjà te mettre ça dans la tête. C'est moi qui t'emploie. Tu vas travailler pour moi. Et moi, je te répète en disant ceci. Si les enfants disparaissent pendant que tu seras en train de mettre ton gouvernement en place, mon frère, tu es partant. Tu n'auras même pas le temps de siéger à la présidence de la République. Tu n'auras même pas le temps. On va faire ça de là à là au charbonnage. C'est de là à là qu'on va faire ça. Ça, il faudra que tu mettes ça dans ta tête. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pensent que 3 ans de résistance, ça va finir quand Ping va prendre le pouvoir. Non, au contraire. La résistance va prendre même ses bases à ce moment-là. C'est même à ce moment-là que nous allons même nous asseoir. C'est même là qu'on va prendre racine. C'est là où tout va commencer. C'est là où tout va commencer. Mais là, il n'y aura pas question que... Attendez, on me dit qu'il n'y a pas de son. Il y a le son? Vous entendez quelque chose là? Faites me dire, est-ce qu'il y a le son? C'est là où tout va commencer. Mais il y a le son? Soit il y a le son. Donc, je disais, il faut que tout le monde soit très clair là-dessus. Pour ça, il n'y a même pas une question à se poser. C'est-à-dire que vos histoires de crimes rituels, là, il faut déjà mettre fin à ça. Quand vous allez commencer à sacrifier, là, il faut déjà mettre fin à ça. Et ça, je te le dis déjà, Ping. Ne te dis même pas que oui, tu sais, il n'y a même pas de négociations à faire. Si tu vas rentrer dans la grande loge ou devenir président de la grande loge, c'est ton affaire. Moi, je m'en fous. Ça, j'en ai rien à cirer. Mais je te dis ceci. Mon frère ou mon grand-père, toi et moi, on n'est pas amis. Je me suis battu pour que la raison des urnes soit respectée. Chaque Gabonais s'est battu pour ça. Si victoire il y a, c'est la victoire de chaque Gabonais. Je dis bien de chaque Gabonais. Nous avons persécuté le régime Bongo depuis 3 ans, jour et nuit, persécuté comme jamais. Nous les avons poursuivis dans les rues en Europe
comme on n'a jamais fait cela à aucun dirigeant. C'est-à-dire que ce qui arrive à la chose là aujourd'hui, ça m'étonne même que ça, il a pu supporter 3 ans. Ça m'étonne qu'il a pu supporter 3 ans. Mais ça, je te le dis. Il faut savoir que la prise du pouvoir, c'est bien. Mais nous avons un pays à construire. Et ton rôle, il est très défini, il est très clair. Je n'attends pas de toi de construire des écoles. Non. Ce que j'attends de toi, c'est la mise en place des bases, du béton, des fondations qui nous permettra à nous, à nos enfants, de construire un pays solide, un Gabon réel, un Gabon où tout le monde pourra trouver sa place. Je n'attends pas que tu me construises des universités. Ping, je n'attends pas de toi des universités. Il faut que tu sois là très clair avec ça. Je n'attends pas d'université de ta part. Ce que moi j'attends de toi, c'est mettre en place des fondements qui nous permettra, qui vont nous permettre de pouvoir construire un Gabon fort, un Gabon véritable, où chaque Gabonais aura sa place. Ça, il faut que tu sois clair. Ta mission est très claire. Ne cherche pas à faire des miracles. Ne viens pas nous parler de croissance, de ceci. On ne veut rien savoir de ça. On veut assainir les bases. Et c'est ce que le peuple gabonais attend de toi. Et maintenant, tous ceux qui vont t'accompagner là, parce que je sais que beaucoup sont là, ils sont en train de se frotter les mains. Tous ceux qui vont t'accompagner là, mes frères, si vous savez que vous n'êtes pas choisi, allez-y vous asseoir ou investissez-vous dans autre chose. Maintenant, si vous voulez ouvrir les hostilités au crime rituel, si vous voulez ouvrir les hostilités au crime rituel, aucun activiste n'ira en exil. On va faire ça de là à là, au charbonnage. De là à là. Ça, il faut que vous... Non, il faut jamais mettre ça dans vos têtes. Hein. Nous, il n'y aura pas les histoires de la police. Dès qu'un nom est cité sur le calibre 12, ce sera de là à là. On va faire ça. De là à là. Ça, c'est d'abord une manière de vous mettre en garde. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet. J'ai vu sur la toile d'autres choses. Je comprends. Et quand je parle de réconciliation qui n'est pas possible, c'est pour... Je m'adresse surtout aux personnes qui se sont perpétuées dans le déni de réalité. Madame Ayumba a été virée de son poste parce que elle a pris ses responsabilités. Des gens ont dit, mais c'est elle qui avait reconnu qu'Ali Bongo et elle ont joué dans les jardins de la République. C'est un fait. Mais il y a une chose que vous devriez comprendre, et c'est très important. Si Madame Ayumba a pris ce risque-là, c'est parce qu'elle sait que ce pouvoir est fini. Est-ce que vous comprenez? Si Madame Ayumba a pris ce risque-là, c'est parce qu'elle sait que l'heure de maintenir la chose au pouvoir est passée. C'est fini. Plus rien ne peut empêcher ce qui va arriver. Plus rien. Et elle le savait déjà. Les résolutions qui se prennent là, ce sont des résolutions. Ça, c'est l'attitude quand un pouvoir est en train de vaciller. C'est-à-dire que c'est le dernier coup de poing que tu peux encore donner, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ça ne sert à rien de vous attaquer à elle. Au contraire, vous devriez lire les actions, les événements qui se produisent actuellement dans notre pays. Je vais vous dire encore une chose. Ali Bongo n'est pas venu, la chose n'est pas venue à la tribune parce que le peuple gabonais l'a exigé simplement.
il y a eu une forte pression internationale, une forte pression de la part des bailleurs de fonds qui a emmené, qui a permis, qui a poussé à ce qu'on sorte la chose de sa cachette pour venir trimballer en tribune. Et c'est au sortir. Parce que je vais vous dire une chose, ce qui s'est passé le 17 août à Libreville a été suivi à travers le monde entier. Le monde entier attendait de voir ça. Le monde entier. Posez-vous les questions, pourquoi est-ce que les caméras ont coupé des images? Personne n'a vu comment Ali Bongo est descendu de la voiture. Personne n'a vu comment Ali Bongo a pris les marches. Du moins, aucune caméra n'a filmé ces images. Toutes les images étaient attendues. Tout le monde entier attendait voir. Je vous dis que toutes les chaînes nationales et internationales étaient fixées sur tous les gestes qu'Ali Bongo a fait. Et il le savait que c'était la fin. Ce n'est pas parce que Marie-Madeleine aurait pu ou on aurait pu lancer encore un décret comme quoi le président aurait donné telle personne pour le présider. Je vous dis que ce sont les pressions des organisations internationales. Ce sont les bailleurs de fonds qui ont exigé parce qu'ils ont décidé. Le Gabon aujourd'hui n'est plus une référence en termes d'investissement. Ils ont décidé d'exiger, ils ont exigé de voir Ali Bongo. Ils voulaient le voir. Ils étaient là. Ça veut dire que personne ne pouvait voir quand Ali Bongo est descendu ni quand Ali Bongo est monté. Mais je vous assure qu'ils ont reçu assez d'images. Je dis bien, ils ont reçu assez d'images pour prendre la décision qu'ils ont prise. Ils ont reçu assez d'images pour prendre la décision qu'ils ont prise. C'est fini. Ali Bongo, c'est fini. Mais moi, je viens juste dire ceci. Ceux qui engagent encore des actions de crimes rituels aujourd'hui sur la communauté pygmée, ça ne sert à rien. Si c'est pour prendre le pouvoir, si c'est pour devenir ministre ou député, ça ne sert à rien. Si c'est pour que Jean Ping se rappelle de vous, ça ne sert à rien. Je vous le dis déjà. Arrêtez déjà avec votre processus, votre manière de faire les choses. Arrêtez avec ça. Amana, c'est fini. Arrêtez avec ça. Cette communauté ne vous a rien fait. Ils n'ont jamais empiété sur vos pétrole, sur votre pétrole, sur votre bois. Ils n'ont rien fait. Foutez-les la paix. Je dis bien, je n'accuse personne, mais je n'exclus personne. Arrêtez avec ça. C'est incroyable. À peine on sort d'une situation, ça s'est calmé, mais non, vous avez repris. Vous avez repris encore les crimes rituels. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vos histoires de « Oh, on va les arrêter, ils seront jugés », ça ne va pas finir comme ça. Je crois que le droit au port d'armes va devenir vulgaire au Gabon. Le droit au port d'armes va devenir vulgaire au Gabon. Dès qu'on dit « Oui, c'est un machin, on ne va même pas chercher à savoir. » Boum! Mais non! Quant à toi, Marie-Madeleine Bourenço, je t'avais promis la guillotine. Je te donne un conseil. Quitte déjà le Gabon. Pars. Disparais. Malheureusement, tu ne peux pas emporter avec toi tes maisons, machin. Mais quitte déjà le Gabon. Tu ne peux pas emporter avec toi le palais de la Cour constitutionnelle que tu avais conçu à ton image. Ça va nous revenir. Merci de nous avoir offert un aussi beau palais. C'était gentil de ta part. Nous saurons quoi en faire, t'inquiète pas. Mais je donne le conseil de partir déjà. Enlève déjà ton corps. Vous comprenez? Parce que ce qui est sûr et certain, ce qui est sûr, c'est que si tu restes au Gabon, c'est moi qui va te fusiller. Moi, je te le dis. C'est-à-dire que
En fait, tu te dis, oui, les enfants, ils parlent seulement de la bouche, ils vont me faire quoi? Si moi, je mets les pieds au Gabon, la première des choses que je vais faire, c'est me rendre chez toi. Si moi, quand je mettrai les pieds au Gabon, lorsque nous allons rentrer là, la première des choses que je vais faire, c'est d'arriver chez toi. Je te le dis déjà, il faut que tu le saches. Et je suis très sérieux. Pendant que les gens seront en train de fêter du genre, oui, le retour des activistes, le retour des enfants au pays, moi, je vais me faufiler dans la foule, je vais me rendre chez toi. Et c'est une vérité. J'espère que ni toi, ni tes enfants, personne ne sera là-bas. Parce que toute personne qui sera dans ces lieux sera exécutée. Je ne suis pas... En fait, tu vas me dire, oui, mais l'enfant... Beaucoup m'ont dit que l'enfant est fou, il raconte quoi. Et je vous dis la vérité. Et je suis très sérieux. Quand je vais descendre, si j'arrive au Gabon, la première chose que je vais faire, je me procure un calibre 12. Je vais me rendre chez Marie-Madeleine Bourenço. Moi, je ne suis pas dans les histoires où on ne tue point. Moi, je vous le dis déjà. Quand je vais arriver au Gabon, la première des choses, je prends mon calibre 12. Je vais descendre chez Marie-Madeleine Bourenço. Je vous jure sur la vie de ma maman que c'est ce que je vais faire. Moi, il n'y a pas de réconciliation nationale avec cette femme-là. Et j'espère que tu ne seras pas chez toi. J'espère que tu ne seras pas là-bas. Parce que ce sera soit toi, soit moi. Et ça, c'est clair. Ça, il faut que tu te mettes ça dans ta tête. Que quand tu sauras déjà que non, on va annoncer, enlève le corps. Parce que pendant que les gens seront en train de fêter, moi, je viendrai chez toi. Et ça, je te le dis, je suis très sérieux dans ça. Parce que je vais t'abattre. Si je te trouve là-bas, je vais t'abattre. Je te dis, ce sera sans état d'âme. Je m'en fous. Si après, si on me met en prison, on me met en prison. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je vais t'abattre. Et ça, je suis très sérieux. Et je me ferai un plaisir de le faire. Vos histoires de réconciliation nationale, faites ce avec qui vous voulez le faire. Vous avez eu l'occasion en 2016, vous avez eu l'occasion de pouvoir changer les choses. Marie-Madeleine Bourenço, tu avais les cartes en main de pouvoir changer les choses. Tu as ignoré les Gabonais. Tu as permis à ce qu'Ali Bongo tue les Gabonais au QG de Jean-Ping. 3 ans plus tard, tu penses qu'on a oublié. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Et moi, je m'en fous qu'on me dise qu'elle a un cancer. J'en ai rien à cirer. Moi, je vais te rendre service. Je te le dis, hein. Et ça, je sais même que tu ne seras pas au Gabon. Quand l'affaire là sera finie, tu auras enlevé le corps. Ça, je le sais. Mais je te dis ceci. Ne laisse personne à la maison. Parce que toute personne qui sera dans cette maison serait en train de profiter la douleur des Gabonais. S'il y a un gardien, je vais tirer sur le gardien. Si tes enfants sont là-bas, je vais tirer sur tes enfants. Et ça, je le dis. C'est authentique ce que je te dis. Ça, pour ça, sois-en sûr. Maintenant, quant à toi, Frédéric Bongo, moi, je suis sûr et d'une chose. Je parie que tu es en train d'enlever le corps, si tu n'es pas déjà parti. Toi aussi, le conseil est le même. Disparais. Disparais. Parce que toi, et tout ton réseau de prostituées, vous allez tous en passer. Vous allez tous y passer, tous. Parce que je vais te dire une chose, et là, c'est là où ça va devenir intéressant. Toutes les filles là, qui travaillent pour toi, là, nombreuses parmi elles ont déjà été recensées. Toutes les filles là, qui travaillent pour toi, nombreuses parmi elles ont déjà été recensées. Il y a même une qui est en Turquie ici. Il y a une de tes filles qui est ici en Turquie. J'ai déjà repéré. Je donne un conseil. Fais le ménage avant de partir. Pars. Mais ne reviens plus jamais au Gabon.
ne reviens plus jamais. Moi, je ne suis pas vos histoires dedans, vous savez, mon petit. Non, moi, je ne suis pas là-dedans. La mort est trop facile, non. Moi, ça ne marche pas avec moi. C'est œil pour deux, dents pour dents. S'il faut inciter les gardiens à le faire, je vais inciter les gardiens à le faire. Si après son moment en prison, je ne vais pas refuser. Le Gabon ne deviendra pas un pays hors la loi. Mais moi, j'accepterai de faire la prison que de voir ces gens en vie, que de voir ces gens-là tirer dans les voitures dans le Gabon. Ça, je vous le dis déjà. J'accepterai d'être en prison que de voir ces gens-là narguer les Gabonais dans Libreville, dans des véhicules. Parce que quoi? Parce qu'ils ont des affinités. Je ne suis pas là-dedans. Vous, ils ont l'affinité. Oh, Jean Ping, c'est le mari des machins. Oh, c'est le machin. Je ne suis pas là-dedans. Pascaline Bongo, nous savons tout ce qu'elle a fait dans le Gabon. Là où elle a travaillé, quel était son salaire? Si Pascaline possède des biens qui sont au-delà de ce qu'elle aurait pu gagner au cours de sa vie, il faut qu'elle les restitue. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Non, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Si tu as travaillé pendant 50 ans ou pendant 40 ans, et que tu reconnais que pendant 40 ans, voilà ce que j'aurais pu avoir comme bien, garde tes biens. Si tu as plus, restitue. Faut même pas faire la force. Ne faites pas la force. Pascaline, toi et moi, n'a aucun problème. Moi, je m'en fous. Je te faisais baiser par, par Bob Marley ou je ne sais pas, ou par les frères de Fred Jackson. Ça, c'est ton affaire. J'en ai rien à foutre. Tu es le mari de Jean qui vous avez fait des enfants. Ça, c'est votre affaire. J'en ai rien à foutre. Mais si ce que tu possèdes est au-delà de ce que tu devrais posséder parce que tu as gagné de l'argent au Gabon, restitue. Restitue. Ne fais pas la force. Oh, de dire que non, ce sont les biens des enfants de mon mari parce que Jean-Pierre est président. Je vous assure, je vous le dis déjà, et ça, il faut que tu comprennes, Ping. Ça, là, on n'a encore aucun problème. Oh. Aucun. Et moi, je te parle là, je te parle en bonne. Non, je te dis, moi, je te dis ce que les gens ne te diront pas et que ce que tout le monde pense dans le cœur. Moi, je ne suis pas un hypocrite. Je te le dis déjà. Tu vas prendre le pouvoir d'un bientôt. Il paraît. Si, à cause de ce que je dis là, tu vas m'interdire de rentrer au pays, je te le dis déjà. Moi, je dis déjà ça. Je vais rentrer au pays. Si tu veux, tu me mets en tôle. Mais je te dis ceci. Ton ex-femme, ce qu'elle possède, doit être en rapport avec ce qu'elle a travaillé. S'il n'y a aucun rapport, qu'elle restitue. Parce que si elle ne restitue pas, on va récupérer ça de force. Ça, il faut que tu mets. Appelle, elle a déjà dit déjà. Allô, chérie. Mm-hmm. Tu as été directeur du cabinet d'Elmar Bongo. Oui. Tu as fait ceci. Oui. Bon, ça fait combien? Oh, ça fait à peu près. Ça me fait 500 millions de francs CFA. Ok. La maison que tu as, la Sablière, là, ça vaut combien? Oh, ça vaut 200 millions. Et la machin, ça. Oui. Je te dis que si ça dépasse, on va récupérer. Ne fais pas la force. Ne fais pas la force. Ne fais pas la force. La maison de charbonnage que, comment il s'appelle là? Isaac avait parlé là. La maison où Omar Bongo ou Ali Bongo allait exécuter les enfants là. Ça, on ne va même pas discuter. On sait déjà ce qu'on va en faire. Mais je ne pense pas qu'on peut faire une université là-bas parce que cette maison est ornée de mauvaises choses. Il y a trop de mauvaises choses là-bas. On va trouver autre chose qu'on devrait faire de cet endroit-là. Mais on ne peut pas casser ça. C'est de l'argent de contribuables. On va faire autre chose. Mais je ne pense, moi, je ne suis pas pour une université. Un temple de savoir où on a exécuté les gens, on a fait des sacrifices, je ne pense pas. Il faut qu'on trouve autre chose qu'on fera de cet endroit-là. L'école de Sylvia Bongo. Sylvia, merci pour l'école. Les rubans verts, on va en faire une école. Ce sera un lycée public pour les Gabonais. Donc encore merci pour le ruban vert. On va en faire un lycée public. D'accord? Sylvia, je te conseille. Si tu es intelligente,
Cherche déjà à vendre la maison que tu as à Londres. Et va louer une maison quelque part ailleurs où on ne connaît pas. Parce que si tu restes dans la maison de Londres, on va récupérer ça. On va vendre cette maison. On va construire des écoles avec. Elle a une valeur de 30 millions d'euros. On va la revendre pour construire des écoles avec. Donc, si tu es maligne, là, va déjà la vendre et disparaît avec l'argent. Ne fais pas en sorte qu'on te mette dehors. Parce qu'on va récupérer cette maison. Nous allons la vendre. On a des écoles à construire au Gabon. Est-ce que tu as compris? Ça, là, il faut déjà que tu comprennes ça déjà. On va vendre la maison de Londres. Et puis, pense à venir nous garer notre avion déjà. Il faut penser à venir nous garer notre avion. C'est fini, il faut garer. On va vendre ça. On n'a pas besoin. Ou encore, on va investir pour mettre en place une compagnie nationale. On en a besoin. D'accord? Donc, il faut que vous compreniez cela déjà. Maintenant, la France. Excusez-moi. Maintenant, pour la France, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que si Ping accède au pouvoir, il y aura des accords qui seront maintenus entre le Gabon et la France, qui ne seront pas forcément très avantageux pour nous. Nous le savons, nous ne sommes pas naïfs. Pour la France, ce sera l'objet de notre live. Je ne vais pas d'abord venir déjà là-dessus. Maintenant, j'aimerais parler de tous les barons du PDG. Les anciens comme les nouveaux. Asselé. Glace, c'est pour les Pongouais. Glace, c'est un village. Pongwe. Tu as compris? Toi, tu es du Haut-Ogooué. Tu comprends? Tu viens même du Congo. Ce n'est pas possible que tu puisses avoir des terres, soi-disant de tes ancêtres à glace. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Michel Marine, c'est pour les Pongouais. C'est leur village. D'accord? C'est leur village. Il faut restituer aux Pongouais ce qui leur appartient. Là, 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 là. Là, là, là. C'est pour les gens de l'Estuaire. C'est pour les gens de l'Estuaire. Il faut restituer à ce peuple ce qui leur appartient. Là où tu as construit l'école Djouedabani, c'était un village de, je crois, des gens de l'Estuaire aussi, je crois. Je ne sais pas. En tout cas, c'était un village. Tu avais tué le propriétaire de cet endroit-là pour construire l'école à cet endroit. Merci pour le lycée Dieu d'Abani, parce que le lycée Dieu d'Abani sera un lycée public. Ce sera un lycée public. Vous n'avez pas conçu d'école, mais on va récupérer ça pour un lycée public. Ce n'est pas la chasse aux sorcières. On essaie de restituer, de donner à César ce qui est à César. C'est ce qu'on essaie de faire. On restitue ce qui est à César. Donc, le lycée Jules Abani, là, ça va devenir un lycée public. D'accord? On va recenser ce que tu as travaillé tout le temps où tu as été ministre. S'il y a un surplus, il faut donner. Ne fais pas la force. Je n'ai rien contre toi. La seule personne que je vais exécuter si elle est au Gabon, c'est Marie-Madeleine Bouronsou. C'est pas toi. Donc, restitue.
restitue le surplus. Reste avec le strict minimum. Vous allez en train de dire, oui, je parie que tes enfants sont en train de dire, mais l'enfant est fou. Hein. Il va venir, on va faire la guerre. Vous ne pourriez pas faire la guerre contre nous. Parce que le degré de haine que nous avons dans le cœur, vous ne pourriez pas le supporter. Vous ne pourriez pas, en fait, vous n'arriverez pas à nous canaliser. Moi, je ne suis pas pour qu'il y ait le sang pour le Gabon, mais je vous promets que si vous manifestez une forme de résistance, on va vous exécuter comme des chiens. Et je suis très sérieux quand je le dis. Je vais inciter les gens à le faire. Je vous dis, hein, il faut jamais mettre le nôtre. Vous m'amenez à 100 familles. Parce que moi, je ne vous suis pas dans vos histoires de « Oh non, la paix, oh il faut reconstruire, oh, il faut dialoguer. » Je ne dialogue pas avec vous. Je vous donne une possibilité de pouvoir sortir par la grande porte. Donc, à sceller ce que tu as pris à glace. Glace, c'est pour les Pongouais. Tu n'as pas de terre à glace. Restitue les terres des Pongouais aux Pongouais. Tu n'as pas de terre ancestraux. Tu n'as pas d'ancêtre à glace. Le marché Mongouin, c'est pas chez toi. Que ta sœur restitue les terres à qui les appartient. Il faut être clair. À ce niveau-là, il faut vraiment être clair. Il faut être clair. Parce que on ne va pas subir les pressions de la France et en même temps subir vos pressions. Non. On ne va pas subir les pressions de la France et subir les vôtres. Tu restitues. Tu dis que tu as travaillé. La dernière fois, j'ai vu une vidéo où tu insultes carrément des gens dans sur leur terre. Regardez tout ce que j'ai fait. Michel Marine, c'est moi qui ai tout. Regardez tout ce que j'ai fait. J'ai fait ce que les Pongouins ont été incapables de faire. Mais tu as fait quoi? Tu as volé de l'argent. Tu as spolié les terres des gens. Tu as fait quoi? À part voler de l'argent et spolier les terres des gens, tu as fait quoi? Jusqu'à un passé proche, la présidence de la République, là où est construite la présidence de la République, on payait un droit de titre foncier à Assélé comme loyer. On louait la terre où se trouvait la présidence de la République. Là où la présidence de la République, là, Omar Bongo payait un loyer à Assélé de droit foncier. Le droit foncier, on payait à Assélé ça. Tu as eu des terres sur le littoral depuis quand? Donc, à un moment donné, il faut vraiment être honnête avec nous, entre nous. Ta pute de fils se sentait invincible au niveau de la CNSS. C'est pas de notre faute. Si elle a préféré faire du brout minou au lieu de prendre une queue. Tu t'arranges à gérer ta fille et tes enfants. Tu vas nourrir tes enfants avec tes loyers. Tu nous laisses nos terres. Tu laisses nos terres. Mon frère, Jason, il n'y a aucun règlement de compte. Il faut. Non, vous savez. C'est, en fait, le problème des Gabonais, c'est que nous avons peur de se dire, de nous dire les vérités. Je n'ai pas de problème avec les Bongos. J'ai bien dit. J'ai bien ciblé mes gens. Le général Kouna, Marie-Madeleine Boronso, Frédéric Bongo, ils seront exécutés s'ils sont au Gabon. Ça, je vous le dis. S'ils sont au Gabon, on va les exécuter. Ce sera sans état d'âme. Je dis bien, ce sera sans état d'âme. Ils seront exécutés. Maintenant, pour ce qui est des barons du PDG, ce que tu as travaillé tout le long de Bongo,
avec Bongo, on va faire le décompte. Ce que tu as travaillé, tu restes avec. Le surplus, tu abandonnes. Il n'y aura pas de... On ne va pas faire la guerre avec qui que ce soit. On ne va pas demander aux gens de rembourser quoi que ce soit. On dit simplement, bon, mon frère, oui, oh, tu as travaillé pendant 40 ans, non? Mm-hmm. Ton salaire devrait être tant, n'est-ce pas? Mm-hmm. Maintenant, pour une personne qui a un salaire de tant, il ne pouvait produire tant. Le surplus, abandonne. On ne va même pas faire la guerre, ce n'est pas une guerre. Bon, je vous parle ici, je vous dis, la meilleure façon de se réconcilier, c'est celle-là. Maintenant, la pointe des nids. Ça, c'est le sujet le plus intéressant. La pointe des nids. La pointe des nids appartient au Pongouais. La pointe des nids, ça appartient au Pongouais. Mohamed VI, tu n'as pas de terre d'ancêtre à la pointe des nids. Mohamed VI, tu n'as aucun... Mohamed, ton père, il n'a pas d'ancêtre Pongouais. À moins que tu me dises que tu es devenu Pongouais. Ben, si Mohamed VI me dit que c'est un Pongouais, il n'y a pas de souci. Mais Mohamed VI, je te répète déjà ça, tu n'as aucune terre d'ancêtre sur la pointe des nids. Ton petit business que tu faisais parce que tu faisais du entre les dents avec le pipi avec Ali Bongo, puisque finalement on découvre, quand on dit souvent que non, toi tu dois être un PD, on découvre finalement que ta femme t'a quitté parce que tu faisais le pipi avec les garçons. On comprend maintenant pourquoi toi et Ali Bongo, vous étiez très proches comme ça. Oh, on est des frères. Quels frères? Vous faites du pipi du long dedans. Donc c'est ça la fraternité. Toutes ces années-là, tu prenais Ali Bongo par derrière. Et on découvre ça maintenant au moment... Tu sais, hein? La vérité, c'est comme la grossesse. Ça finit toujours par sortir. Il a fallu qu'au moment où Ali Bongo meurt, on découvre que toi, Mohamed VI, tu fais du pipi avec des hommes. Donc ça veut dire que quand tu venais retrouver Ali Bongo, tu te pointais là tous les jours, les week-ends, les machin, c'était pour vous faire du pipi, du entre dedans. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Donc toi et Ali Bongo, c'était le pipi tous les jours. Oh, c'est mon frère. Même dans les même pendant la WC, tu lui faisais le pipi. Même pendant qu'il dormait, tu lui faisais le pipi. Mikale dit quoi? Association des pipiteuses. Mais attendez. Mais attendez. Vous ne trouvez pas ça bizarre aussi? Non, soyons un peu sérieux entre nous. Mohamed VI, on découvre que lui, il fait... On découvre à la fin qu'il fait le pipi avec les hommes. Donc on comprend maintenant pourquoi il était très proche à Ali Bongo comme ça. Ou bien il a pris ses... Seigneur, yeah. Ou bien il a pris sa Libreville. Mais en fait, moi, je suis un peu curieux. Comment ta femme a fait pour découvrir ça, hein, Mohamed? Pourquoi t'as fait le coup du genre, t'as mis le doigt dans le truc, et puis c'est rentré. Oh, putain. Oh, mais je comprends maintenant mieux pourquoi tu n'es plus au Gabon. Ton secret est dehors. Mais remarquez que depuis que l'on parle que Mohamed VI faisait le pipi avec des hommes, il ne vient plus au Gabon. Mohamed ne vient plus au Gabon. Il a honte. Oh mon Dieu. Et... Un musulman pédé. En tout cas, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est votre affaire là-bas.
Je reviens sur ce qui est essentiel, ce qui est important. Déjà, tu sais que la bague de ton père, hein? Tu comprends? La bague de ton père, tu ne peux plus la récupérer, tu le sais. Les dieux pongouais t'ont dit, les génies pongouais t'ont dit, on dit à celui que vous avez envoyé pour récupérer la bague qu'il faut que ce soit toi-même qui vienne la récupérer. Donc, lorsque le... Je ne sais pas ce que tu vas remettre à ton fils, parce que cette bague-là partait de père en fils. Qu'est-ce que tu vas remettre à ton fils? Une fausse bague. Mais la bague que ton père t'a remise, la bague que ton père a enlevée comme c'est ta donnée. D'accord? On a demandé d'aller la récupérer toi-même. Ça ne sert à rien de te cacher là où tu l'as. Il faut venir au Gabon, tu vas la récupérer. C'est pas venir faire... Mais c'est pas possible. Donc tu passes ton temps à venir défoncer notre président au Gabon, même si c'était par intérim. Tu passais ton temps à venir du Maroc pour le défoncer le derrière. Je parie que c'est même à cause de toi qu'il a même eu cet AVC là. Donc tu quittais du Maroc pour venir le défoncer le derrière au Gabon. Donc, pour revenir sur ce qui est plus important, premièrement, la pointe d'Enis c'est pour les Pongouais. Ce n'est pas pour toi. Hassan II n'a pas d'ancêtre Pongouais. Il s'appelle Hassan. À moins que vous me dites que dans les Pongouais, il y a maintenant le nom Hassan là-bas. Ou Mohamed. Ok? La pointe d'Enis c'est pour les Pongouais. Tu ne possèdes rien là-bas. Je te dis déjà la vérité. Oh, c'est le roi du Maroc. Oh, ils ont des investissements au Gabon. Rien à foutre. Tu ne possèdes rien à la pointe des nids. Si tu veux prendre les maisons de Marbongo là-bas à Maroc, prends-les. On s'en fout de ces maisons-là. C'est pas grave. Prends les maisons de Marbongo, de Ali Bongo Maroc. Mais tu saches une chose. Tu ne possèdes rien à la pointe des nids. Rien du tout. Reste avec les maisons qui sont au Maroc là-bas, avec les bongos et autres. C'est ton affaire. On ne viendra jamais là-bas chez toi pour les chercher. Regarde-les là-bas. Mais la pointe des nids, c'est pour les Pongouais. C'est pas pour toi, c'est pas chez toi. Tu dégages. J'aurais appris que tu as acheté un terrain à Akanda. Pas acheté. On t'a offert ta pétasse t'a offert un terrain à Akanda. J'espère que dans ta tête, tu es conscient que ça ne t'appartient pas. J'espère que tu es conscient de ça. Que ce n'est pas pour toi. À Kandal, ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas aller là-bas. Reste au Maroc. Trouve-toi un autre enculé, mais reste au Maroc. Si tu veux, tu prends ton mort vivant d'enculé, tu l'emmènes avec toi au Maroc. Nous, ça ne nous dérange pas. Je te jure que si Ali Bongo te fait un enfant, c'est votre affaire. Si Ali Bongo tombe en scène, c'est ton affaire, on te le donne gratuit. Tu paies le trousseau, c'est ton affaire avec Ali Bongo. Si tu te fais un enfant, c'est ton affaire. Nous, on ne veut pas, on te le donne cadeau. Pars avec lui sans dot, on ne veut même pas une dot de ta part. S'il tombe enceinte, tu gères ça avec lui là-bas. On ne viendra jamais à vos disputes de couple, on ne viendra jamais. Nous n'allons jamais venir. Tu te disputes avec Ali, il t'a pas préparé à manger, il t'a pas fait le machin. C'est votre affaire. On te donne ça. Nous les fans, nous les fans avec la dot. Quand un fan donne sa fille en mariage, nous on donne les filles en mariage. On ne donne pas des fils en mariage. Maintenant, nous on te dit, prends Ali Bongo. Tu le baises comme tu veux. Tu le fous en scène. C'est ton affaire. Nous on s'en fout. Ok? Vous gardez ça là-bas. Tu l'encules là-bas autant que tu veux, avec son pied coupé. C'est ton affaire. Nous, on s'en fout. Si tu veux baiser les estropiés, c'est ton affaire. Mais ne reviens plus discuter quoi que ce soit à la pointe des nids. La pointe des nids, c'est pour les Pongouais. La pointe des nids, là, c'est pour les Pongouais. Ce n'est pas pour toi. Prends Ali Bongo, emmène-le là-bas, finis avec lui là-bas,
Fais ce que tu veux en faire, on s'en fout. Mais non, tu as pris notre or. Qui est maintenant Mohamed VI? Mais Mohamed VI, mais toi tu es un beau fils qui nous a coûté cher, hein? Mais attends, toi tu baisais Ali Bongo de quelle manière? Non, excusez-moi du mot, hein, excusez-moi. Mais honnêtement, entre nous, il faut dire les choses comme il faut. Mais toi tu prenais Ali Bongo de quelle manière au point que le gars t'a de l'autre? Il t'a même donné l'or du Gabon. Mais tu le prenais de quelle manière, hein? Tu l'as fait pour le souffler? Quand tu lui faisais du souffler ou bien je ne sais, qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait qu'Akromessi ne l'a pas fait? Qu'est-ce que tu as fait à cet enfant qu'Akromessi ne l'a pas fait? Que le mec a pris l'or du Gabon, il t'a donné. Tu lui as fait quoi? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as fait, Ali Bongo, qu'Akromessi ne l'a pas fait? Donc, en tout cas, c'est pas grave. Il y a au moins une bonne nouvelle sur la question de l'or. On découvre à l'instant qu'il y a encore assez d'or. Il y a trop d'or au Gabon. Il y a trop d'or au Gabon. La quantité d'or qu'il y a dans nos terres, là, il y en a trop. On te donne Ali Bongo l'épave, on te laisse avec l'or. Pars avec. Pars avec l'or. Pars avec ça. D'accord? Pars avec. Il y a trop d'or au Gabon. Pars avec. Tu prends Ali Bongo, tu l'emmènes. On s'en fout. Prends, amène. Vous comprenez? Donc tu l'emmènes avec lui. Comme tu le prends. En fait, nous, la belle famille, on te donne la femme et on te donne aussi la dot. Pars avec lui. Ok? Tu vois, moi, au moins, j'essaie de régler les conflits. Le Gabon et le Maroc resteront unis à travers Mohamed VI et Ali Bongo. Ils vont nous faire un petit garçon, un petit Biafra gabonais, c'est pas grave. Ou un petite fille Biafra gabonaise, c'est pas grave. Il sera Maroco-Biafra gabonais, c'est pas grave. Donc, le Gabon et le Maroc resteront, ils ne seront plus pays frères. Ils seront maintenant pays sœurs. Donc, voilà comment on règle les conflits. On n'a pas besoin de faire la guerre au Maroc. On dit simplement qu'ils libèrent la pointe des nids parce que ça appartient aux Pongouais. Il faut libérer la pointe des nids. C'est pour les Pongouais. Il faut libérer. D'accord? Tu vas libérer. Donc, il reste encore qui? Qu'on n'a pas encore... Sylvia Bongo. Bon, maintenant toi. Ah, Sylvia. Tu sais, il y a les Botox bon marché. De toute façon, tu ne vas pas, tu seras obligé d'acheter les Botox bon marché parce que tu as volé suffisamment d'argent au Gabon. Donc, c'est pas sûr que tu puisses te prendre des Botox bon marché. Mais il faut bien gérer. Parce que le robinet sera bientôt fermé. Comprenez? Le robinet sera bientôt fermé. Tu vas prendre ton petit bâtard de Nouridine. Un vrai bâtard. Ton petit bâtard de Nouridine là. Tu vas le prendre. Tu l'emmènes avec toi. Tu prends ton petit bâtard de Nouridine, tu le prends en bâtard de son état, tu l'emmènes avec toi. Asenko, Hachin, machin, autre machin là. Vous savez, on va trouver une solution pour ça. Les bâtiments que vous avez construits au Gabon là, on va trouver une solution pour ça. Nous allons les racheter. D'abord, pourquoi les racheter? Ce sont des biens mal acquis. Ce sont des biens mal acquis. Ce sont des biens mal acquis, Sylvia. Et quand on parle de biens mal acquis, qu'est-ce qu'on fait? On saisit.
comme la France saisit les biens des Bongo en France, on va saisir tes biens au Gabon, sont des biens mal acquis. Donc, tous ces bâtiments-là seront saisis. Tu comprends, non? Donc, tu prends ton bâtard de Nouridine, tu fous le camp avec lui. On ne veut pas te voir. Toi, moi, je pourrais te laisser prendre l'avion. Parce que toi, franchement, j'en ai rien à foutre de toi. Tu es une sale pute, tu ne vaux rien. Tu prends ton bâtard de fils, tu fous le camp avec lui. Et tu prends ton amant de la Brice Fargeon. Tu prends ton amant de Brice Fargeon, tu fous le camp avec lui. Tu fous le camp avec lui. Tu as compris? Tu prends ton bâtard, Brice Fargeon, vous foutez le camp. Maintenant, pour revenir sur Fargeon. Fargeon. Tu es un vaurien. Tu es un menteur attitré. Tu ne vaux vraiment rien du tout. Tu es venu sur les réseaux sociaux, tu es allé dans un village dans le Togo, tu es allé raconter aux gens que tu es un métis à Togovéen. Mais tu ne savais pas que la résistance devait sortir ton acte de naissance. Ça t'a fait quoi lorsqu'on était sur résistance 241 et qu'on était en train de lire ton acte de naissance? Ça t'a fait quoi? Sale petit menteur pédé de ton état. Là, je suis sûr que tu étais comme ça là. En fait, ça t'a fait quoi? En plein live, on a lu ton acte de naissance. Tu renies ton père. Mais tu es un enfant maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Tu renies ton père en plein live. Tu es maudit. Maudit. Ta pute de mère, je le dis, ta mère est une pute. Ta pute de mère qui se faisait prendre par Alianga. Tu es maudit. Si ta mère ne t'a pas dit de le juger, je lui dis que tu es maudit. Tu fous le camp avec ta pute de mère. Tu l'emmènes avec elle, je vous ai parlé à ma soeur, on ne veut pas te voir au Gabon. Parce que si tu traînes au Gabon, la cruche, tu iras en prison. Ça, sois-en sûr. Si tu traînes au Gabon, tu iras en prison. Et ça, tu dois vraiment le mettre dans ta tête. Tu vas à Marseille, mais je ne pense pas que tu auras le temps d'embarquer la Rolls-Royce décapotable. La Rolls-Royce décapotable que tu as emmenée là, tu ne vas pas l'embarquer. Je te le dis déjà, laisse la Rolls-Royce décapotable. Elle, laisse, c'est l'argent du Gabon, laisse. Vous qui êtes au port là-bas, si vous voyez un colis spécial d'embarcation, les voitures qui sont là-bas, je vous dis déjà, hein, je vous préviens déjà, vous qui êtes au port là, si vous embarquez un conteneur de véhicules au niveau du port, gardez la même position. Gardez la même position. Donc, c'était un peu le live que je voulais faire. C'était un peu ma manière à moi de commencer un véritable mandat de la part de Jean Ping. Et je reviens encore en disant à Jean Ping que Jean Ping, c'est pas toi qui va construire nos universités. C'est pas toi qui va construire nos hôpitaux. Ne t'embobine pas à vouloir faire des choses que tu ne pourras pas faire. Concentre-toi sur ce qui est important. Assainis notre système judiciaire. Mets en place les bases qui nous permettront de pouvoir construire
un édifice Gabon solide pour nos enfants et nos petits-enfants. Garde cela en mémoire. Je sais que tu me suis beaucoup. Les gens me traitent souvent d'impoli quand je m'adresse à toi. Je ne me suis pas impoli quand je m'adresse à toi. Jean-Pierre, je représente cette jeunesse 50 ans durant qui a été violée, assassinée, mise à l'écart par les bongos. C'est ce que je représente. Voici le visage de cette jeunesse. Je ne suis pas là pour te faire des atalakous. Je ne suis pas là pour te dérouler le tapis rouge. Il y a plein de gens qui le font. Et je peux te dire, pour ceux qui pensent que oui, parfait, c'est sûr qu'il n'aura, j'aurai ma place. J'aurai ma place. Mais moi, je te dis déjà, tu n'es pas là pour construire des écoles. Tu comprends? Tu es là pour assainir. Nous allons construire des écoles. Nos petits-enfants vont construire des écoles. Mais tu es là pour assainir. Il faut mettre ça dans ta tête. Toute réforme qui emmènera les Gabonais à travailler encore plus dur, je vais la soutenir. Toute réforme qui emmènera les Gabonais à se serrer la ceinture, et tant que ce resserrement de ceinture est là pour le fondement, je vais la soutenir. Et ça, je te le dis. Mais sache que si jamais tu venais à vouloir, ou toi, ou tes collaborateurs, à nous faire revivre le règne des bongos, Apine, tu vas avoir un AVC. Tu vas avoir un AVC d'une violence dont tu ne peux pas imaginer. Parce que ce que nous allons te faire, on n'ira pas en exil. On n'ira pas en exil. On va te faire ça de là à là au charbonnage. Fais-le que tu... Mets ça dans ta tête. Je ne t'aime pas, je ne te déteste pas, je n'ai pas à t'aimer. Toi et moi, on a un contrat. Tu honores ton contrat, j'honore le mien. C'est tout. Je garderai ma place de citoyen. Tu garderas ta place de chef d'État. Tu es employé par moi. Dans le respect total. Et moi, je te parle, je te dis des choses, je te dis ce que je pense. Je te dis ce que tous les Gabonais pensent. Je me suis battu 3 ans et je pourrais encore me battre encore bien plus. Et je ne le fais pas pour que mon peuple vive encore 60 ans d'esclavage. Et là, je te le dis déjà. Ton entourage qui pense que c'est une affaire de peau, c'est leur affaire. Vous devez devenir ministre, devenez ministre. J'en ai rien à battre. Devenez tous des ministres. Mais je vous jure que si jamais, en fait, on ne va même pas vous dire que non, on va vous laisser un peu de temps, machin, 1 an, 2 ans, on n'est pas là-dedans. Ping, ce que tu vas faire, ou bien ce que tu as à faire, nous savons tout ce que ça va nous coûter en termes de temps, en termes de souffrance, parce qu'il s'agit d'assainir un pays. Mais lorsqu'on va commencer à vous voir rouler dans les Rolls Royce, les Barrange Rover, Et pingé. Tu vas devenir fort. Tu vas devenir fort. Parce que ce qu'on va te faire, tu vas parler le fort pour nous emmener à comprendre. Pour nous supplier d'arrêter. Tu vas parler le fort pour nous supplier d'arrêter. Donc, c'est avec beaucoup d'amour que je te mets en garde.
Nous avons un pays à construire et j'espère que tu as la même vision que nous. J'espère que tu as pris conscience que Ali Bongo le sanguinaire ne nous a pas arrêtés. Ne nous a pas empêchés de nous battre. J'espère que tu as pris conscience de ça. Et que toi, tu ne pourras pas nous empêcher de nous battre. Si jamais tu venais à devenir ce que je ne te souhaite pas, mais je te mets en garde. Réconciliation nationale, peut-être, mais sans Marie-Madeleine Bourançon, sans le général Kouna, sans Frédéric Lecoq. Ces trois personnes, je sais les crimes qu'ils ont commis et je ne peux même pas imaginer une réconciliation avec eux. Ça, là, vous allez m'excuser, quoi. Je pense que je commettrai le premier crime qui sera toléré au Gabon. Le premier crime et le seul qui sera toléré au Gabon. Parce que je vais les abattre. Je vais inciter les Gabonais à avoir cet esprit de les abattre. On ne peut pas voir souiller notre constitution, se torcher le cul avec notre constitution, se torcher le cul avec les valeurs du vert, jaune, bleu et me dire comment je vais me réconcilier avec cette personne-là. Tu ne peux pas voir torcher le cul avec le vert, jaune, bleu et attendre que moi je puisse me réconcilier avec eux. Je te l'ai dit, hein. Avant ça, il y a Dieu. Après Dieu, il y a la constitution gabonaise. Après la constitution gabonaise, il y a moi. Après la constitution gabonaise, il y a mon père et ma mère. Et après, c'est il y a moi. C'est le cas de chaque Gabonais. Toute personne qui souille la constitution gabonaise, toute personne qui souille le drapeau gabonais mérite la mort. Et c'est sans condition. C'est sans condition. Ça, il faut qu'on soit très clair. Vraiment très clair. C'est sans condition. Maintenant, jusqu'à ton accession au pouvoir, le combat continue. Et quand même tu seras au pouvoir, le combat va continuer. Mais ce sera encore plus difficile pour ceux-là qui viendront essayer de faire quelque chose parce que la résistance aura pris racine au Gabon. Parce que nous serons au Gabon. Donc, merci de m'avoir suivi. Je n'ai insulté personne. J'ai juste été très clair. Et très, très clair. Maintenant, si on me traite d'impoli, ça c'est votre affaire. Je m'en fous. Ce que j'ai dit, c'est pour le bien de la nation gabonaise. Pas le bien d'un individu. La nation gabonaise. Nous allons tous mourir. Arafat est mort. Mais le Gabon demeure. La Côte d'Ivoire demeure. Bien qu'Arafat soit mort. La Côte d'Ivoire continue. Donc moi je suis pour le Gabon immortel. Je ne suis pas pour un individu. Chacun d'entre nous doit servir ce pays-là comme il peut ou comme il pourra. Et moi je fais ma part. Et nous attendons de toi que tu fasses ta part. Moi, je serai toujours à te le rappeler. Que tu me détestes ou pas, beaucoup. Je ne veux pas être ministre, je vais simplement être enseignant. C'est tout. Donc, merci de nous avoir suivis. De grâce, de bien vouloir partager ce live avant de partir. Partagez-le. D'accord? Tous ceux qui sont là, de bien vouloir le partager. Je vous demande de passer une excellente soirée. Et on se dit à demain. Parce que demain, on a un autre live et là, on va parler de la France. Donc, merci d'avoir suivi. On va se séparer en musique. Hein? Toujours se séparer en musique. Donc, partagez le live. Hein? Pour ceux qui... Donc, pour ceux qui se sont connectés à l'instant, de bien vouloir partager le live, vous envoyer en WhatsApp, en inbox, vous savez comment ça se passe. Et on se retrouve demain
pour un autre sujet, mais ce sera spécifiquement sur la France. Et d'ici là, je vous demande de vous porter bien. Bonne soirée. Ciao.